Pression et violence en Thaïlande. Plusieurs centaines de manifestants ont provoqué ce jeudi à Bangkok l'interruption d'une réunion entre le Premier ministre par intérim et la commission électorale, dont on voit ici l'un des membres. Ils sont entrés par la force dans le bâtiment, contraignant le Premier ministre à s'éclipser. La réunion concernait l'organisation des élections législatives, prévues le 20 juillet. Or, les manifestants, qui avaient réussi à perturber les dernières élections du 2 février, réclament l'instauration de réformes avant l'organisation d'un scrutin. Ils n'ont pas le droit d'organiser une élection, dit ce protestataire. Ils doivent le demander aux gens. Le gouvernement a parlé de leurs devoirs, mais ils n'ont jamais évoqué ceux qui ont perdu la vie. Ils n'ont jamais mentionné cela. La commission électorale a évoqué ce jeudi la nécessité de reporter les élections, alors que plus tôt dans la matinée, une attaque visait un camp de manifestants près du monument de la démocratie à Bangkok. 3 personnes ont perdu la vie et une 20aine d'autres ont été blessées.